Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play. Donc, super. Donc là, les lingots, je les ai. On va pouvoir mettre l'enclume. Ouais, je peux pas tourner l'enclume, donc on va devoir la mettre ici. Tac. Donc moi, j'ai tout de suite tourné donc la suite, hein. Du dernier épisode, j'ai tout de suite tourné et donc voilà. Donc là, on peut voir qu'on peut faire des clous, des choses genre. Donc ça va être très utile par la suite. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est mes points de compétence. Ça va être mes points de compétence qu'on va pouvoir débloquer. Et pour ça, on va récupérer juste du fer. Normalement, je récupère du rouge. Ouais. Je récupère à chaque fois un point de compétence rouge. Tac. Et comme ça, au moins, on se fait un stockage de minerais. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on aura aussi au bout au bout de ce chemin là, ça. Je crois qu'on peut l'ouvrir. Sur ma partie solo, je l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'arrive pas à retirer ça. Je n'arrive pas à retirer. Ah, dommage, dommage. Je ne peux pas l'ouvrir. Ça, c'est dommage. 51, super. Tac. Déverrouillé. Donc là, en bûcheron, maintenant, on va pouvoir couper du bois. Du gros bois. Comme ça, le bois, on va en avoir tout de suite assez rapidement. Ça va être vraiment très pratique. Donc déjà, toi, le gros, on te coupe. Voilà. Un cadavre. J'ai pas vraiment besoin de faire le cadavre. On peut peut-être le laisser. On peut peut-être le laisser. Tac, je sais pas si j'ai assez de place dans mon stockage. Ouais, j'ai plus de place, ok. Bon, on va s'attaquer donc. Toi, pas besoin. Donc, on va se faire quelques planches. Les planches vont être utilisées pour débloquer des zones et tout ça. Donc, autant en avoir en stock, c'est bien aussi. Et surtout, ça me monte mes petites compétences ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de faire un petit stockage. Un petit stockage de ressources. À peu près, je sais pas, une trentaine de planches. Des trucs du genre. Ah, l'église, ça y est. On va pouvoir aller faire l'église. Faire le discours. Tac, tac. On va continuer. Personnage 18. Et j'en ai 17. Ouais, c'est bon. En stock, j'en ai pas mal. On va se faire donc des troncs. Les troncs vont être utilisés pour faire du bois de chauffe et tout ça, donc on peut en faire beaucoup, c'est pas un problème. Là, je nettoie la zone ici parce que je peux planter des pommiers. Donc
Je vais nettoyer la zone. Est-ce qu'on peut te mettre... Voilà, on se refait encore de lingots. Tac. On récupère toute notre énergie. Après, on va aller faire un tour à l'église. J'espère que je vais pouvoir le faire parce que... Bon, je pense que je peux faire une... De nuit, je pense que ça marche aussi. Donc le cadavre, il est là. Pour l'instant, on va pas le faire. On va peut-être le balancer dans le, dans la rivière pour pas le faire. Ouais, ben toi, on va te stocker. On aura besoin de toi. Toi, on te récupère. Toi aussi. Et grâce à ça, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on récupère en plus de l'argent. Donc, je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. Sympa. À présent, prions pour cette bénédiction. Ah, il a raté. Ah, il a raté. Tous vos dons sont les bienvenus. Donc en fait, s'il n'aurait pas raté, il aurait gagné quand même. S'il aurait pas raté son sort, il aurait gagné. Il aurait gagné un petit peu plus de prière là, de foi. Donc ça c'est vraiment dommage qu'il a raté, car le système de foi est très important. Il me faut un atelier pour faire ça. Pour l'instant, je suis coincé là-dessus. Et l'atelier, il faut que je le débloque dans les compétences. Ok. Alors, ça on range ça. Voilà. Ok. Hop. Tac, toi on t'enlève. Les lingots sont finis. Ah, on va devoir donc faire du bois de chauffage. On va en faire un petit peu plus, hein, de toute façon. Voilà, là on va en s'en faire 30-40 pour être vraiment tranquille, hein. Je suis gouré, mais bon, dans tous les cas, ça aussi j'ai besoin, donc on va aussi s'en faire. Cela sera utilisé pour débloquer des zones. Cela me permettra de débloquer des zones, donc c'est très bien.
J'ai beaucoup de bois de chauffage, donc ça c'est bien. Alors, du bois, j'en ai pas mal. Ça aussi c'est bon. Des pilous 7, je sais que j'en ai pas vraiment besoin de beaucoup, donc ça on peut garder. Ça c'est bon, ok. Ensuite, la technologie, on va continuer donc dans le bois parce qu'il me faut absolument ça pour me permettre de débloquer des zones. Donc on va devoir faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de débloquer toi. Alors, on t'a débloqué donc un nouveau atelier de bois. Est-ce que c'est celui-ci? J'ai un doute maintenant. On va se faire tout de suite des pièces. Mais il faut que je repars dormir. Alors, bien sûr, ce que je pourrais faire, c'est de faire à manger. Je peux faire à manger et manger pour gagner de l'énergie, mais je trouve que la nourriture ne donne pas assez par rapport à ce qu'il consomme. Donc je préfère encore dormir, ça va plus vite et au moins t'es tranquille. Ça tout de suite, les lingots. On va pouvoir s'en faire un paquet. Ok. Moi, je pense qu'on est bon. Tac. Super. On va le construire. Ok. Et donc là, on peut se faire. Donc déjà, cet outil-là qu'on aura besoin, on va se le faire, mais on peut se faire des planches. Et on va aussi s'en faire des planches. Et des kits de réparation de bois. Normalement, j'ai rien à réparer au cimetière. Mais on va quand même s'en faire un petit peu. On va plus s'attaquer à ça. Tac. On va s'en faire deux. Tac. Ok. Des planches. Alors les planches, je vais en faire tout de suite une vingtaine. C'est toujours bien d'en avoir aussi d'avance. Je sais que j'aurai besoin à peu près de 10 planches pour faire quelque chose. Et j'aurai peut-être même besoin encore de 10 planches en plus, encore pour faire un autre truc. Ouais, on peut même faire un petit peu plus de planches après. J'en ai fait 20, j'en ai peut-être 21, 22, j'en ai peut-être 22 sur moi. On va s'en faire un petit peu plus encore. C'est pour ça que dès que vous commencez à débloquer le truc là, c'est vraiment pratique. De toute façon, ça c'est le premier métier où vous allez bosser le plus, je pense. Si vous voulez débloquer les territoires, c'est ça. Après, vous pouvez très bien acheter les planches au village, mais cela vous coûtera de l'argent et ça va être très long, je pense. Ok, maintenant, je crois que côté planche, côté bois, il m'en reste 15. 15. On va s'en faire encore un peu plus alors. Voilà. Et après, je vais devoir me refaire encore quelques bois. J'ai assez.
Yes, ok. Hop là. Je peux pas annuler. Je me suis gouré, c'est pas ça que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le construire et je vais le redémonter. C'est un peu de ressources en l'air, mais c'est pas grave. Pour cet épisode-là, ça va être beaucoup de craft, hein. Ouais, on va terminer ça. Tac. On va s'en faire. Là, ça m'en donne 6. Ça m'en fera donc 15. On va s'en refaire encore un autre. Et après, on s'arrêtera là. Ok. Toi. Toi, ça me tenterait bien d'en refaire un. Ouais, on va s'en refaire encore un. Et des planches, on en a fait déjà. Donc ça c'est bon. Ok. On va ranger donc tout ça. Et c'est juste le marqueur de bois que je veux voir pour le démonter. Ok. Ça c'est bon de ce côté. Maintenant on va quand même essayer de démonter et de débloquer les trucs. Ok. On va essayer de se les décoincer donc. Alors, on avait dit quoi? On avait dit ça. Donc 10. Et 2. Ok. Voilà, cela me permettra de débloquer le territoire là. Bon, il n'y a rien de spécial hein, ici. Mais moi, ce que je veux, c'est débloquer ça. Et à ce moment-là, il me faudra une poutre. Et comme je vous ai dit, la poutre, il me faut beaucoup de rouge. Donc ça va me prendre du temps. Mais je sais que... Je sais que pour récupérer des compétences rouges, ce qui est bien, c'est la pierre. Ouais, la pierre, franchement... On monte bien. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Pierre tombale. Je pourrais m'amuser à faire que des pierres tombales, mais... On va regarder, on va tester. Déjà, on va dormir. Ok. Je fais des pierres tombales, je gagne des compétences rouges. Par contre, si je démonte ma pierre tombale pour récupérer de la pierre, je reçois pas de compétences. Ah. On va se faire un kit de réparation. Voilà, j'en ai 4. On va aller faire un tour au cimetière pour voir qu'est-ce que j'ai à réparer. Le cadavre, on va le laisser là. Pour l'instant, ce devrait pas trop poser de problème. Alors, donc j'ai... Ah, j'ai peut-être... ouais, j'ai quand même...
pas mal de choses à réparer. Tac. Et ça, c'est de la pierre. Je crois que je pourrais pas le réparer. Ouais, il me demande un truc bizarroïde. Donc là, je suis bloqué en fait. Faut que je monte les compétences rouges. Et pour ça, il faudrait que je travaille la pierre. L'argile, je sais pas. Je sais pas où la trouver, l'argile. Donc ça pose problème. La pierre, je sais où la trouver. On va aller faire un tour. On va voir si je peux pas récupérer de la pierre et gagner des points de compétences. Donc au-dessus, nous avons encore une zone à moi que je peux construire. Je vais vous montrer. Donc ici en fait c'est la zone des ruches. Donc si vous voulez faire une plantation de ruches, enfin une plantation non mais un élevage d'abeilles, et ben vous pouvez le faire ici. Pour être franc, je l'ai jamais fait donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais à voir, on peut débloquer cette zone. Oh, et d'ailleurs, je peux le faire, donc on va la débloquer, tiens. C'est une zone que j'ai jamais débloquée, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-haut. Donc on va la débloquer. Ça peut être fun. Donc là, en fait, ce que je récupère, c'est de la pierre. En bloc, voilà. C'est de la pierre en bloc. Et moi, en fait, ce que je veux, ça serait quand même un chariot. Je sais pas si ils ont installé ce système-là dans le jeu, de construire un chariot, mais ça pourrait être fun. Ça me permettra d'aller plus vite pour chercher les ressources. Ok, donc là on stocke la pierre comme ça. Et maintenant je veux voir. Donc si je casse un bloc comme ça, est-ce que... Ouais, je gagne des points rouges. Ok. Mais pas de beaucoup. À peu près 3. Ok, c'est toi. Toi, on va te mettre en place ça. Il m'en faudra 4 pour débloquer la zone en haut. Et on va voir ce qu'il y a comme. On va voir ce qu'il y a là-haut parce que j'ai jamais été là-haut donc je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'il y aura un truc de minerai là-bas. Ça serait bien de trouver du charbon. Je savais où se trouvait le charbon avant, mais disons que ça a changé. Donc, j'ai besoin de 10. J'ai besoin de 2. Ça, ça et ça. Et c'est parti. On va aller voir ça. Il y a peut-être une bonne surprise là-haut. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui va m'être utile. Enfin, j'espère, parce que si je débloque un truc qui sert pas à grand-chose, ça va être dommage. Oh, il m'utilise beaucoup d'énergie, hein. Ah, oh, j'arriverai pas à terminer. Ah si. Ouh. Ok, alors.
On va déjà suivre le chemin et après on va explorer un peu la zone. Là-bas. Ouais, on peut encore explorer la zone là-bas. Donc là, on peut récupérer du miel. De ce côté, nous avons rien de spécial. Ah, c'est les boules, hein, si j'ai débloqué ça et qu'il n'y a rien. Ah, ça c'est quoi? C'est peut-être du fer ou encore de la pierre. Ça me paraît très bizarre qu'il mettrait de la pierre ici. On va aller explorer la zone là-bas. Ouais, bon, il n'y avait qu'un seul truc intéressant. Ah, d'accord, alors attends. Ici, nous avons. Donc la rivière, ok. Mais ça, c'est pas très intéressant non plus. Truc de pêche, franchement, ça m'intéresse pas. Mais on peut au moins aller de l'autre côté. Moi, ce que je veux juste voir, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous? De la terre qui est coincée. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. J'ai peut-être trouvé le minerai de fer. Mais franchement, avec tout le fer que j'ai, c'est pas vraiment nécessaire. Le charbon, ça va être vraiment très pratique. Ah d'ailleurs, le charbon, je peux même pas le miner. Ouais, le charbon, ça c'est très bien. Parce que comme ça, j'aurais pas besoin d'utiliser le bois pour faire chauffer mon fourneau. Donc c'est très bien. Nouvelle maison, tiens. Faut que je le construise. Et nous avons ici. Gisement de marbre. Construire une carrière de marbre. Le marbre n'est pas nécessaire, mais il demande pas beaucoup de ressources, donc ça va. Encore du charbon là-haut. Ok. Là, je sais pas ce que je peux construire. Ah, le fer. Ça, c'est du fer. Mais le fer aussi est bloqué. On va revenir ici, je vais aller me coucher, on va revenir ici pour juste construire ce qui est là-haut, car je veux savoir qu'est-ce que je peux construire là-haut. Donc là, on va explorer encore le coin là. Il y a à peu près 2 mois de ça, 2 3 mois avant que le jeu est sorti, les gisements de charbon et de fer étaient ici. Ici c'était le charbon et ici c'était le fer. Mais par la suite ça a changé en fait. Pardon. Ouais, bon, après c'était. J'ai débloqué la zone là, mais c'était pas vraiment nécessaire tout de suite parce que. Pour le charbon, c'est bien. Mais je peux très bien utiliser du bois maintenant, vu que le bois, je peux en récupérer très rapidement. Donc ça pose pas de problème. Ah, j'ai pas d'énergie, dommage. Je les aurais attaqués sinon. Mais je crois que c'est la même chose, la pierre. Oh, il y a beaucoup de chauves-souris ici. Oh, je crois que je vais aller chasser des chauves-souris. Comme j'ai dit, les chauves-souris nous donnent pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Enfin, ça nous donne que de la peau et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que
quand j'aurai l'atelier pour, ça va être très pratique. Ok. Ouais, ça va être c'est un épisode de un peu d'exploration, mais beaucoup de craft, hein. Beaucoup de craft. Non, c'est pas là. Faut que je monte encore d'un cran. Ouais, franchement, j'espère que par la suite j'aurai une sorte de chariot ou une connerie du genre pour qu'on puisse marcher un petit peu plus vite, se déplacer plus vite et surtout pouvoir utiliser un chariot parce que je me vois mal venir avec un morceau de fer. Faire tout le trajet pour juste un bloc de fer, quoi. Bon, j'espère qu'on va pouvoir construire quelque chose de bien. Ah, d'accord. C'est la même chose que chez nous, en fait. Et bah, c'est très bien. C'est très bien parce qu'ici, je peux très bien faire mes fourneaux. Vu que ici nous avons le charbon et le fer qui est un petit peu plus loin, je crois. Le fer qui est un petit peu plus loin. Non, peut-être de l'autre côté. Ouais, je crois que c'était de l'autre côté. Donc à la rigueur ici, ça c'est de la pierre. Et le fer, ouais. Ici, je peux très bien faire mon truc de forgeron. Enfin, de métal. Je mets juste un fourneau et puis je fais la pierre. Je peux faire une réserve de pierre ici. Ouais, ça peut être intéressant d'ici. Qu'est-ce qu'il me faut comme ressources? Alors, beaucoup de pièces en fer simple. Ok. On va voir pour ramener tout ça. On va voir pour ramener tout ça. Ça peut être intéressant. On va tout de suite mettre en place ça pour cet épisode-là. Et puis comme ça, le prochain épisode, on va pouvoir... Ah ouais, mais non. Le minage du charbon et le minage du fer, je peux pas le faire pour l'instant. Il faut que je les débloque dans les compétences. Ouais, non, alors on va pas tout de suite les construire, ça sert à rien de les construire. Si d'un coup j'ai besoin de ressources et que j'ai pu. Et que j'ai utilisé pour ça alors que j'ai pas vraiment besoin, ça sert à rien. Allez, faire un tour au-dessus. Chauve-souris. Ouais, encore une autre. Hop. Ok. Bon là j'ai pas du tout monté, ouais, côté compétences rouges là j'ai pas compétences manuelles, j'ai pas monté, hein. Alors chauve-souris, alors vu l'énergie que j'ai, voilà, on va s'arrêter là.
Sinon je vais mourir en plus avec ma vie. C'est pas trop ça. Tac. Hop. Les chauves-souris, je te les mets là. Ok, eh ben c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a débloqué une zone qui est très intéressante car il y a quand même de la pierre, il y a quand même du fer, il y a quand même du charbon. Et une nouvelle zone de construction pour notre forgeron, ce qui peut être très 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 bien. Par contre, c'était une zone qui n'était pas à débloquer tout de suite. Parce que j'ai quand même pas mal de ressources un peu partout. Donc c'était pas vraiment nécessaire de débloquer cette zone. Donc le prochain épisode, on va voir pour débloquer la poutre, le système de poutre pour le charpentier. Et à ce moment-là, on va pouvoir débloquer les tunnels en fait à la bibliothèque. Voilà, ça c'est vrai et ça va être notre priorité absolue. Voilà, donc moi j'espère que cet épisode vous a plu, donc n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à aimer cet épisode. Et moi je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.